Nous voilà lors de leur petite fête nationale chez eux, dans la zone de la États-Unisienne, à l'approche de l'anniversaire de la bataille de Wagram, de la 5e coalition de notre cher empereur de France, Napoléon Bonaparte, né à l'Assomption, 1769, mort pour la France le 5 mai 1821, père fondateur du système métrique, père fondateur du code civil. Voilà les résultats de la bataille de Wagram, le 5 et le 6 juillet 1809. L'Empire français et les Bavarois contre les Autrichiens et le Rosbef. Reconnaissance des cantons anciennement autrichiens, present day Ukraine. Reconnaissance des langues slaves à l'échelle européenne. L'arrivée du code civil dans les anciens cantons autrichiens. L'interdiction de l'antisémitisme dans des anciens cantons autrichiens. Depuis le 15 octobre 1809. Voilà les conséquences, les résultats de la 5e coalition. Napoléon Bonaparte, dont l'anniversaire de la bataille de Wagram s'annonce cette semaine, le 5 et le 6 juillet 1809. Wagram, 15 km de Vienne, Autriche. On a fêté le Saint-Igor il y a quelques semaines, hein? Prince de Kiev, du Moyen-Âge. On peut parler au brun vert. Alors, Akbar Besmela, avete, me dièse. Vive nous les bleus, me dièse. Vive le Boumidom, me dièse. Vive Henri III de Navarre, me dièse. Back the fuck up, Team USA. You ain't in it to win it, me dièse.